Elle est où, maman? Elle est partie au travail. Ok. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, Yeter. Pourtant, je suis là. Je ne suis allée nulle part. Ravie de l'entendre. Gulsum. Oh, elle a la tête dans les nuages. Regardez-moi ça. Gulsum, va me préparer un café, s'il te plaît. Oui, je vais aussi jeter un œil sur Camille. Oulia s'occupe déjà de Camille. Pas la peine de t'embêter avec ça. Bon, je vais juste faire un café, alors. Ces fiançailles s'avèrent être une très bonne chose. Je pense que ça va mettre un terme à tous les problèmes qu'il y avait dans cette maison. À partir de maintenant, tout va s'arranger, je l'espère. Cette fille est très bien pour Namik. Elle est jolie, intelligente et bien éduquée. Attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à adorer Idil? Je l'ai toujours aimée, c'est tout. Asli est partie. Et Idil est arrivé. Ça me convient. Moi, je trouve ça bizarre. Tu n'aimais pas sa fillée comme par hasard. Elle est morte. Méfie-toi du Seigneur. Comment peux-tu être aussi cruelle? C'est quoi cette façon de te comporter ce matin? Je te trouve vraiment bizarre depuis que Namik a annoncé qu'il allait se marier avec Idil. Qu'est-ce que tu as? Et moi, je te trouve de sacrément bonne humeur. Andan, qu'est-ce que tu mijotes encore? Hein? Ce n'est pas toi qui voulais qu'on s'unisse contre Idil si jamais on apprenait qu'elle était enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? Ce n'est pas toi qui avais peur qu'en épousant Namik, cette femme arrive ici et se comporte comme la maîtresse de maison? Tu disais qu'elle risquait de compromettre mon futur et celui de Ferhat, ainsi que celui de Vildan et d'Abidine, et tu disais qu'il ne fallait surtout pas qu'on la laisse faire. Andan, réfléchis à ce que tu fais. Je croyais que tu ne voulais pas qu'on laisse cette traînée donner naissance à cet enfant. Tu voulais la pousser à avorter, non? Elle ne m'accorde aucune importance, parce que j'ai été adoptée. Mais elle se rapproche de toi. Et tu te laisses berner par ces petits tours. Même si tu n'es pas du genre à te laisser facilement duper. Pourquoi tu crois qu'elle se rapproche de toi, hein? Par pure affection? Ou pour te poignarder dans le dos? Reprends tes esprits. Et réfléchis-y. C'est un conseil. Quand tu dois voler une voiture, pas de problème. Mais quand il s'agit de venger son père, tu deviens un vrai lâche. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Réponds-moi. Tu n'étais pas capable d'appuyer sur la détente. Hein? C'était trop dur pour toi, hein, c'est ça? C'est pas grave, je sais où elle est. Elle est allée chez une amie. Ébru. Et dès demain, j'irai régler ce problème. Je la tuerai pour de bon. Tu vas rentrer comment chez elle? Aucune serrure ne me résiste, tu le sais. Ouvre cette porte. Et tu verras combien de portes je t'ouvrirai. comprends ça. Finis ce que tu as à faire ce soir. D'accord? Une fois que ce sera fait, tu auras le reste. Sauve ta mère et ta sœur. Fais-le pour ton père, allez. Tu ne peux pas passer toute ta vie à voler des autoradios. À mon avis, ce Sammy n'est pas du genre à attendre les bras croisés sans rien dire. Je préfère vous prévenir. Cet enfoiré ne va laisser personne se mettre sur son chemin. Soyez vigilants, il ne faut pas qu'il nous échappe. Tu sais bien qu'on est toujours vigilants. Ferhat, où est Asli? Si elle est à l'hôpital, laisse-moi y faire. Ferhat et toi avez rompu, Asli? Qu'est-ce que j'y peux? Faisons en sorte que ce soit mieux comme ça. Si tu as encore un peu d'amour pour lui au fond de toi, quelque chose qu'il détruirait. Il est déjà totalement détruit. Et il est peut-être déjà trop tard. Quoi? Comment ça, il est déjà trop tard? Tu lui as déjà tout raconté? Je lui ai envoyé un message. Il ne l'a pas encore vu. Mais je ne sais pas ce qui se passera quand il le lira. Je sais pas quoi faire. On est foutus. Décroche, Namik. Monsieur Emiran? Monsieur Emiran. On est au travail, n'est-ce pas? Et je suis ton employé. C'est ça qui me plaît chez toi. Les autres filles auraient essayé de profiter de la situation. Ça prouve que j'ai fait le bon choix. Je peux sortir si tu veux. Non. C'est Yeter. Je la comprends, tu sais. Ça a été un sacré choc pour elle de l'apprendre. Elle va s'y faire. Elle va devoir s'y faire. Namik, ne va surtout pas prendre ça pour de la jalousie, mais je suis persuadée que Yeter a encore des sentiments vis-à-vis de toi. Ce qui compte, ce ne sont pas ses faux espoirs, mais ce que j'ai en tête, Idil. Bien sûr. Mais essaie de voir les choses de mon point de vue. Je vais me marier à l'homme que j'aime comme une folle et dont je suis enceinte. Je suis venue habiter chez lui. Il y a son fils sous son toit qu'il cache comme un secret, et son ancienne maîtresse, la mère de son fils, que tout le monde considère comme sa demi-sœur. Quelle femme supporterait ça? Réponds-moi. J'espère juste que tu ne vois pas ce mariage comme un moyen de te faire de la publicité. Dis à mon oncle que tout est réglé, il n'y aura plus de problème. Est-ce que tout va bien? Ferhat n'a pas l'air dans son assiette. C'est parce qu'Asli est partie. Elle est partie? Mais comment ça? Je ne sais pas, Ferhat a juste dit qu'elle était partie. Oh, d'où est-ce que tu reviens comme ça? Où est Asli? La bête était tellement triste. Elle en avait assez du monstre qu'elle voyait à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir. La bête se demandait continuellement si cette fille si jolie pouvait tomber amoureuse d'un monstre dans son genre. Mais où est Asli alors? Pourquoi Ferhat refuse de dire quoi que ce soit? On ne peut pas poser de questions à ton frère, Gulsum. Tu le sais bien. Il a juste dit qu'elle était partie. Tant mieux. J'espère qu'avec son départ, de bonnes choses vont arriver. Elle s'attirait constamment des tas de problèmes. Et elle nous attirait dans sa malchance. Et en plus, elle avait la langue bien trop pendue. Tu pourrais avoir de la compassion pour une fois, maman. Rien qu'une fois dans ta vie. Mais c'est la vérité. Ferhat n'est pas fait pour être un homme marié. Et il est arrivé ce qui devait arriver. J'espère qu'elle ne reviendra pas. D'après les registres de l'état civil, il a une fille qui s'appelle Mélissa. Elle a disparu durant un tremblement de terre. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Commissaire, est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air ailleurs. C'est juste que je pense à ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a? Asli s'est réfugiée chez Ébru. Elle s'est certainement disputée avec Ferhat. Elle va rester là-bas pendant quelques jours. Écoutez, monsieur. Comme vous le savez, j'étais le premier à penser qu'il s'agissait d'un mariage forcé. Mais j'ai vu comment Asli regardait Ferhat. Ma sœur peut me cacher tout un tas de choses. Mais pas son amour ni la personne dont elle est amoureuse. Et puis, sachant qu'elle se méfie de tout le monde, alors pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'opérer l'homme auquel elle a été mariée de force? Mais j'ai prévenu Ferhat. Je lui ai dit que dès qu'il commettra une erreur, je l'attraperai et je le mettrai en prison. Je me pose tellement de questions. J'espère qu'Asli va bien. Elle va bien. J'espère qu'elle va bien. Commissaire, vous pouvez y aller. Ça se voit que vous n'avez pas la tête à votre travail. Je suis désolé, monsieur le procureur. Non, vous inquiétez pas. C'est rien. C'est votre sœur. C'est pas n'importe qui. Est-ce qu'il en va de même pour vous? Non. Très bien. Si vous me permettez... Vous pouvez y aller. Merci. Tu prends plaisir à jeter les gens qui t'aiment, n'est-ce pas? J'ai pitié pour Asli. Vraiment pitié. Un problème? En tant que commissaire de police, tu te doutes bien que j'ai pas mal de choses à te reprocher. Mais là, c'est le frère d'Asli qui t'appelle. Alors? Et toi, tu es où? Je suis au centre-ville. Bien, envoie-moi l'adresse. Je t'écoute. Le gamin va finir le travail ce soir. Je lui ai donné l'argent. S'il n'arrive pas à régler le problème, ou si jamais il se fait prendre, tue-le. S'il l'attrape, il parlera. Je serai alors obligé de te coller une balle entre les deux yeux. Oui, Yeter. Pendant que tu es en train de prendre du bon temps avec Idil, tout est en train de tomber en ruine ici. Asli a envoyé un message à Ferhat. Elle lui a dit que tu étais son père, Namik. Je te l'avais dit. Si jamais tu tournes le dos à une femme, elle en profitera pour se venger. On était à deux doigts de la catastrophe. Est-ce qu'il l'a vu? Non, je l'ai effacé. La dernière fois que je suis monté dans cette voiture, on était en train de traquer les hommes de Saim Çiğal que tu ne connais pas du tout. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Je n'ai rien à te dire. C'est toi qui vas me parler, Ferhat. De quoi est-ce que tu veux que je te parle? D'Asli. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi, ce n'est pas toi qui voulais absolument me séparer d'elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette question? Tu es venu pour essayer d'arranger les choses? Pas pour arranger les choses, mais pour savoir ce qui s'est passé, Ferhat. Je ne suis pas obligé de te dire quoi que ce soit, je préfère utiliser mon droit de garder le silence. Si jamais tu veux savoir ce qui s'est passé, va plutôt demander à ta sœur. Ma sœur refuse de me dire quoi que ce soit. Et elle ne dit rien à Ébru non plus. À Ébru? Elle est chez elle. Écoute. Tu sais que j'étais contre cette histoire depuis le début. Je me disais que ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'Asli décide de t'opérer. Elle était vraiment prête à tout, même à nous mentir, au procureur et à moi, quand tu es parti après Saim Çiğal. Elle avait tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Je me suis alors dit que... Même si je ne connaissais pas le pourquoi du comment... Je me suis alors dit... Sam, ta sœur tient vraiment à cet homme. Mais ton nom apparaît dans un tas de dossiers, sache-le. Pourtant, il t'a innocenté. Sam. Il n'y a aucun problème. Dilsiz, essaye de localiser le téléphone d'Asli, je veux savoir où elle se trouve. Tu m'envoies un message dès que tu le sais. Effacé. Quoi? C'est quoi cette façon de se venger en voulant anéantir la vie de Ferhat juste après avoir rompu? Je n'ai pas envie de me venger. Se venger et faire payer aux gens ce qu'ils nous ont fait, ce sont vos méthodes. Je ne fais pas ce genre de choses, je n'ai jamais été comme ça. Pourquoi alors? Après tout ce qui s'est passé, je croyais que tu commençais à aimer Ferhat. Je croyais que tu te souciais un peu de lui. Du moins, c'est l'impression que j'avais. Mais la question n'est pas de savoir si j'aime ou non Ferhat. Le problème, c'est vous. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est vous et uniquement vous. J'ai tellement honte de lui cacher la vérité depuis que j'ai découvert qui était son père. Je n'ose même plus lui parler tellement j'ai honte, comme si c'était moi la coupable dans cette histoire. Alors que vous n'avez aucun remords, vous n'en avez jamais eu. Vous êtes sans scrupules. Comment avez-vous pu lui caché ça pendant toutes ces années. Vous n'avez donc aucune conscience. Quel genre de mère êtes-vous? Moi, j'ai honte pour vous. Est-ce que vous comprenez ça, Yeter? Tu es prise de remords, c'est ça? Il n'y a plus rien à faire. Maintenant que vous avez rompu, les choses reviendront à la normale. Toi, tu vas reprendre ta vie, et Ferhat restera à la place qu'il mérite. Tout rentrera alors dans l'ordre. Ferhat est rentré tout à l'heure. Il se raccroche à fond à son travail. Il va continuer à mener une vie que tu n'approuves pas, et toi, tu vas reprendre ta vie. Ce sera mieux pour tout le monde. De ce que j'ai cru comprendre, Ferhat t'a quitté. Je connais mon fils. Quand il décide de quitter quelqu'un, c'est une décision irrévocable. S'il a dit que c'était fini, c'est que c'est fini. C'est vraiment fini. De ce que j'ai cru comprendre, Ferhat t'a quitté. Je connais mon fils. Quand il décide de quitter quelqu'un, c'est une décision irrévocable. Pas disponible. Réponds, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre. Ouvre, il faut qu'on parle. Ouvre. Je n'ai rien à te dire, Ferhat. Tu veux que je défonce cette porte? Je t'ai dit d'ouvrir cette porte. Allez. Il va le faire. Ouvre la porte. Ouvre. C'est quoi tout ce vacarme, hein? Si vous continuez, on appelle la police. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends deux secondes. Ne vous inquiétez pas, c'est ma femme qui est à l'intérieur. Ce n'est certainement pas toi qui ferais une chose pareille pour moi, Mouetti. Voyons d'abord si la femme qui est à l'intérieur va bien. Oui, c'est ça. Faisons ça. Allez, avance. Ouvre la porte. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me dire ce que tu fais ici? C'est justement la question que je te pose. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est quoi le code déjà? 1708. Je t'écoute. Je ne t'avais pas dit de te méfier de cette fille? Ah oui? Tu ne m'as pas dit de partir aussi? Il me semble que tu m'as dit d'aller là où bon me semblait, non? Tu ne peux pas rester ici. Je suis rentrée. Comment ça va? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Tu as faim? Non, je n'ai pas faim du tout. Mais je crois que j'ai dû boire tout le café qu'il y avait chez toi. Il n'y a pas de problème. Tu as prévenu mon frère, n'est-ce pas? Je ne sais pas mentir, tu sais. Il l'a vu sur mon visage. Il a insisté et je lui ai dit la vérité. Que tu t'es disputé avec Ferhat. Bien. Il est venu ici. Qui ça? Sam? Non. Ferhat. Comment il a trouvé ma maison? Il a un logiciel de localisation. Un logiciel de localisation? Asli, il faut que tu quittes ce type le plus vite possible, d'accord? Je sais bien, Ébru. Ce type est un monstre et sa famille est horrible. Je n'ai vécu que des malheurs depuis que j'ai croisé leur route. Tu crois que c'est ça que je veux? Je vois. Tu es encore un peu tendue. Je vais me laver les mains et le visage. Personne. Je savais que je te trouverais ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es venu m'arrêter. Non. Mais ça arrivera. C'est certain. Et Saim Çiğal, on l'a pas retrouvé. Qu'il soit mort ou vivant. C'est bizarre, non? N'est-ce pas? Je suis sûr que tu l'as tué et que tu as enterré son corps quelque part. Mais j'arrive pas à comprendre comment tu as fait pour être aussi rapide que ça. Soit tu cherches la réponse au mauvais endroit, soit tu poses la mauvaise question. C'est toi l'expert, monsieur le procureur. Est-ce que t'as rompu avec Asli? Qui me pose la question? Le procureur Yigit Aslan ou bien... Tu as utilisé ton droit de garder le silence. Ça me laisse vraiment perplexe. Pourquoi as-tu quitté quelqu'un qui t'aimait? Tu parles du docteur. De qui d'autre? Je ne sais pas. Il y en a tellement. Je finis par quitter tous les gens que j'aime et qui m'aiment. N'est-ce pas? Pourquoi? Je finis toujours par quitter ce que j'aime. Parce que je suis sombre. Je quitte ceux qui m'aiment parce que... C'est pourquoi cet argent? Pour ton pneu. Que j'ai accidentellement crevé la dernière fois. Bonsoir. Bonsoir. Garçon, vous pouvez venir un instant? Oui, monsieur. Prenez cet argent. Pour quoi faire? Prenez-le. Vous connaissez Ferhat, non? Oui, je le connais. Il est à l'intérieur. Bien. S'il vous plaît, ne le laissez surtout pas rentrer chez lui avec sa voiture, d'accord? Très bien, monsieur. Prenez au moins 5 types avec vous. Il va vous battre sinon. Et donnez ça aux enfants. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir. On commençait à se faire du souci pour vous. Bon appétit. Namik, j'ai entendu dire que Ferhat et Asli avaient rompu, c'est vrai? Pourquoi? Ferhat a fait le bon choix, j'en suis sûr et certain. Je ne sais pas s'ils ont rompu ou s'ils ont divorcé. Mais reconnaissons que c'était évident. Asli n'était absolument pas faite pour faire partie de notre famille. Maman, qui est-ce qui t'a dit qu'ils avaient rompu? Ils se sont peut-être simplement disputés. Ils se sont séparés? Non, mais j'ai vraiment du mal à y croire. Où est ton mari, Vildan? Il avait des choses à faire. Il est très occupé dernièrement. Vous avez d'ailleurs dû écourter vos superbes vacances à cause de son travail. Les choses... aurait pu mieux se passer. Enfin bon. Idil, ta bague brille tellement, ça en ferait mal aux yeux. Elle te plaît? Elle est magnifique, mais l'essentiel, c'est qu'elle te plaise à toi. Elle est vraiment très belle. Mon oncle a très bon goût. Abidine, est-ce que tu as changé la couche de Camille? Ah, J'ai oublié, c'est Gulsum qui s'en est occupée, c'est vrai. Heureusement qu'elle est là. Tu ne trouves pas qu'il serait temps que Gulsum ait des enfants? Elle commence à être bien entraînée à force de s'occuper du fils d'Abidine, tu ne crois pas? On devrait lui trouver un mari afin qu'elle puisse pouponner ses propres enfants. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas possible. Il ne manquait plus que tu te mêles de la vie sentimentale de Gulsum. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bon appétit à tous. Dis-moi, Dilsiz. Quoi? Est-ce que Asli et Ferhat ont vraiment rompu? Non. Enfin, je ne crois pas. Ferhat m'a demandé tout à l'heure de la localiser. Il va la ramener ici. Tu ne trouves pas qu'ils vont très bien ensemble? Il faut reconnaître qu'ils ne se parlent pas beaucoup. Mais je suis persuadée qu'ils s'aiment énormément. Pas besoin de parler pour s'aimer. C'est aussi ce que tu penses? Tu te sens mieux? Je voulais m'excuser. Ça n'a pas d'importance. Ébru, est-ce que je peux emprunter ta voiture? Où est-ce que tu veux aller? Je veux prendre un peu l'air pour essayer de penser à autre chose. J'ai besoin de souffler un peu. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, j'ai besoin d'être seule. Ok. Eh bien, d'accord. Mais ne rentre pas trop tard, que je ne m'inquiète pas trop. Oh. Merci, ma belle. Gidiyorum.